Bonjour à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui, vendredi 7 octobre, alors attendez, je vais juste baisser un tout petit peu le son de ma radio, sinon on va plus s'entendre parler, voilà. Donc c'est sans surprise, hein, c'est écrit dans le titre de la vidéo. Je vais vous tester l'environnement de bureau XFCE sur différentes distributions Linux. Et pour aujourd'hui, donc on va tester avec XFCE. Et qu'est-ce qu'on va tester de beau? Bien sûr, la calculette Linux avec l'environnement de bureau XFCE, ça vous y attendiez. La Fedora 24 XFCE, installée avec le Live CD XFCE. Manjaro XFCE, donc la version 16.08. XFCE sous Manjaro étant une variante officielle. Ubuntu XFCE, donc c'est-à-dire Xubuntu. J'ai pas testé Linux Mint, hein, j'ai préféré prendre une officielle Ubuntu, Debian XFCE et Mageia 5 avec XFCE. Donc on va commencer le test avec toujours la même distribution, c'est-à-dire la Calculate Linux. Je tiens à préciser que les distributions sont à jour en date d'hier, c'est-à-dire d'hier, hein, donc de jeudi 6 octobre 2016, voilà. Donc, ah ouais, si, il va me manquer un petit truc, attendez. Tac. Tac, donc, watch, date, toc-n0, voilà. Hop, comme ça, vous voyez, j'ai mon compteur ici de date. C'est comme ça que je compte les secondes. Donc, je le mets sur l'autre écran. Et hop là. Donc, on va commencer par le temps de chargement comme d'habitude. Après, on verra la RAM utilisée, le pourcentage du processeur utilisé, la version de XFCE utilisée et le thème utilisé dans XFCE. Donc, c'est parti pour le premier test avec la Calculate. 1, 2, 3 secondes. Je vais compter en fait dans les secondes au moment où le panneau est chargé et où on a la notification du réseau qui est opérationnel. Donc là, on a vu 3 secondes. Donc on va regarder au niveau des ressources consommées. Donc là, j'ai sorti la calculatrice parce que ce sera un petit peu plus compliqué, hein. Donc pour le processeur, on est entre 0 et 1%. Alors on va mettre 0, 1%. Donc la RAM, ça fait 16% utilisé. Donc comme vous le savez, j'ai 2 Go de RAM, 2048. Donc 16% de 2048, ça fait 327 mots. Donc c'est pas très précis. Il me semble qu'il y a une astuce, hein, pour connaître vraiment le truc. Mais là, j'avoue que ça dépasse mes compétences. Donc là, on voit beaucoup de processus, donc je ne peux pas calculer un seul processus. XFCE. Au niveau de la version, donc on a un XFCE 4.12.0. Voilà. Comme d'habitude, hein, on retrouve la même disposition chez Calculate Linux avec la barre en haut et un dock en bas avec les applications. Et puis au niveau des paramètres, donc ce que je voulais voir, c'était l'apparence. Donc on a l'apparence Calculate qui est proche à mon avis de celle de ClearLooks. Donc je vais mettre ClearLooks pour le style. Et les fenêtres, gestionnaire de fenêtres, c'est Default 4.6. Hein. Hop, 4.6, thème, fenêtre, voilà. Donc maintenant, on redémarre, et on va passer à la suivante, qui est la Fedora 24. Donc Fedora 24, voilà, let's go. Donc toujours avec XFCE. Voilà, donc on va compter le temps de chargement, c'est parti, 1, 2, 3, 4, entre 3 et 4 secondes, là, je vais mettre 4 secondes, parce que là la plaid du réseau, il n'est pas apparu, hein. Bon,
Donc au niveau des consommations utilisées, alors on va aller dans système, gestionnaire de tâches. Donc comme ça, à chaque fois, c'est le même gestionnaire de tâches qui fait le taf. C'est beaucoup plus simple. Donc 17% de mémoire utilisée. Ah, ça y est, on a du réseau. 18% utilisé. Ouais. 18%. Donc 18% de 2 gigas. Hop, on fait chauffer la petite calculatrice Casio Collège. Qui calcule très bien un pourcentage. Donc 368 MO. Le processeur est à entre 0 et 1%. Voilà. Donc niveau version, on a un XFCE 4.12.0. Donc c'est la dernière version en date, hein, le 4.12.0. Et côté thème utilisé, donc l'apparence générale, c'est Adwaita. Et puis pour les bordures de fenêtres, nous avons gestionnaire de fenêtres default. Ouais, c'est cool. Donc on sait pas trop ce que c'est. C'est default. Voilà. Donc on va passer à Manjo. Donc oui, pour la petite info, alors voilà, hop, on va démarrer Manjaro. XFCE 4.12. XFCE 4.12, voilà, boum. On va relancer mon ami Firefox, voilà, qui se lance toujours pas sur le bon écran. C'est incroyable ça. Donc ouais, par rapport à ma précédente vidéo, j'ai viré les onglets qui étaient sur le côté, là, c'était pas terrible, cette nouvelle fonctionnalité de Firefox. Donc XFCE, voilà, donc XFCE, voilà, la version 4.12, pour info, elle est sortie le 28 février 2015, donc ça fait un an et demi, une bonne année et demie que XFCE en version 4.12 est sortie. Vous voyez, il y a une version à peu près tous les 3 ans. Voilà, c'était la petite parenthèse culture générale sur XFCE, voilà, donc on passe à Manjaro. Au niveau du temps de chargement, c'est parti. 1, 2, 3, 3 secondes. Voilà. Côté perf, donc système gestionnaire de tâches. Donc le processeur, il a 1% entre... Voilà, par contre, lui reste constant à 1%. Donc on va mettre 1%. Voilà, j'ai pu écrire. Et la mémoire, on est à 19%. Donc 19% de 2048 mégas, ça fait 389 MO. Voilà. Donc côté environnement de bureau, enfin, version, c'est 4.12.0. Et au niveau du thème utilisé, donc là c'est le thème Vertex Maya, le thème de Linux, pas Linux Mint, Manjaro. Et au niveau du gestionnaire de fenêtres, c'est Vertex Maya également. Donc on va passer à Xubuntu, on va faire comme ça, ça ira plus vite. Oh, pas bien. Donc là, Xubuntu se charge, donc c'est une Ubuntu version XFCE serveur officiel. J'ai pris ça par rapport à Linux Mint, histoire de voir quand même ce que vaut un produit Ubuntu authentique. Donc c'est parti pour le chargement de XFCE. 1, 2, 3, 4, 5 secondes. Hein. Entre 4 et 5 secondes, le temps que toutes les icônes apparaissent. Ok, donc côté perf, on va voir tout ça. Tchac. Donc processeur, ça dépense à fond la caisse. Alors on va voir qu'est-ce qui dépense à fond la caisse. Vous
Bon, je sais pas ce qu'ils dépensent à fond la caisse. Alors j'ai déjà noté 18% de mémoire RAM, soit 368 MO. Voilà. Par contre. Par contre, je sais pas ce qui bouffe autant de processeurs là. Ok. Donc là, on peut noter environ 40%. Donc je vais marquer environ 40%. Par contre, juste avant, je vais essayer de diagnostiquer vite fait avec un outil de monitoring. Ah, c'est sympa. Hop. Voilà, donc forcément. Ah ouais, ok. Il y a le truc de mise à jour qui doit se faire en fond derrière. C'est peut-être lui qui bouffe un peu. Bon, en attendant, je vous montre la version. Donc XFCE 4.12.0. Et je pense que le thème, c'est celui de Xubuntu qui est Graybird, si ma mémoire est bonne. Voilà, Graybird. Et le tour des fenêtres, c'est Graybird également. Gestionnaire de fenêtres, voilà, Graybird, c'est le thème de Xubuntu. Donc, ok. On va se connecter en route vite fait, apt update, apt install, htop. Ah, il fait chier, bon, attends, top, c'est pas grave, on va le faire avec top. Hop là! Donc qu'est-ce qui me bouffe tout ça? DPKGDEB, voilà, DPKGDEB. Qui bouffe tout, donc kill all DPKGDEB. Oui, parce qu'en fait, la commande kill all, pour ceux qui ne connaissent pas, parce que je vois beaucoup de youtubeurs qui parlent de Linux, que je regarde assez souvent, qui se font chier en fait à faire un PS et de choper le PID. Donc le numéro de processus du programme en question, et après de faire un kill moins 9 du PID. Mais sachez que vous pouvez faire un kill all, et kill all fonctionne avec le nom du processus. Alors s'il y en a plusieurs, évidemment, ça kill tous les processus de ce nom-là. Vous pouvez faire kill all, et les signaux classiques, kill all moins 9, kill all ce que vous voulez, ça fonctionne également. Voilà. Donc là on voit que forcément, une fois que on lui coupe le bec à ce DPKGDEB, le processeur, il est plus qu'à 1%, entre 1 et 2%, voilà. C'est beaucoup mieux quand même, non? Alors, je sais pas ce qu'il faisait derrière, hein, mais... Bref. Voilà. Donc, j'espère que du coup, vous aurez appris un truc si vous connaissiez pas le kill all. Donc, Debian. On va faire la même chose côté Debian. Donc là, on va avoir un XFCE, à mon avis, brut de décoffrage et authentique. Donc, ça devrait se charger aussi très très vite. 1, 2, 1 et 2 secondes. Le temps que tout se charge au niveau du tableau de bord. Donc là, on a un 4.10.1, un peu vieillot, le XFCE. C'est dommage. Côté gestionnaire des tâches, alors, oula. On a 9% de mémoire RAM utilisée. Alors là, par contre, il va falloir sortir la calculette. Et pas la calculette Linux, hein, la calculette calculatrice. 1% de processeur, 82%. Donc 9% de 2048 mégas. Eh ben, ça fait vraiment pas beaucoup. Ça fait 184 MO. Donc là, on peut considérer que c'est ce que consomme un XFCE original. Voilà. Alors c'est peut-être un peu plus lourd, la version 4.12. Le thème utilisé, je pense que c'est un thème vraiment basique. Hop. Donc apparence, c'est le thème XFCE. Ils ne se sont pas cassés la tête. Et au niveau du gestionnaire de fenêtres, c'est default, qui n'a absolument pas la même tronche que le default de Fedora 24, mais bon, visiblement, vu qu'on n'a pas la même version, ceci peut expliquer cela.
Et donc, pour terminer, Mageia 5. Dernière version stable de Mageia. On va voir ce que XFCE donne sur cette distribution. Alors, pour une fois, Mageia réussit à démarrer. Enfin, va essayer de réussir à démarrer. Visiblement, avant d'enregistrer la vidéo, j'ai pas eu de problème pour l'installer et la mettre à jour. J'ai juste galéré avec les additions invitées. Sinon, on a la fameuse erreur good luck. Erreur good luck, hein, je veux tout dire. 1, 2, 3. Allez, 3 secondes. Incroyable. Donc là, on a une version 4.12.0 de XFCE. Côté perf. Alors, côté perf 6. Je sais plus où il est. Gestionnaire de tâches. Voilà, j'ai du mal à le trouver. Donc 19% de RAM, ce qui fait donc, je l'ai calculé déjà tout à l'heure, pour Fedora 368 MO. Le processeur à 1%. Et donc le thème utilisé, on dirait un thème oxygène, le thème de, comment il s'appelle, de KDE, KDE 4. Voilà, le thème de KDE 4. Oxygène GTK. Alors ça, j'aurais jamais compris pourquoi, parce que c'est vraiment moche. Un XFCE avec Oxygène GTK, c'est vraiment moisi. Hein. Mais c'est pas bien grave. Respectons le choix de Mageia. Et donc pour le thème des fenêtres, c'est default. Voilà. Voilà. Et je reviens juste vite fait sur la commande Killall de tout à l'heure. Vous voyez, là, le si je veux killer mousepad, ça, je vous montre que ça fonctionne bien par un plus B, au lieu de faire un PSEF, enfin, ou les arguments que vous avez l'habitude d'utiliser, pipe grep mousepad, voilà, mousepad, voilà, de récupérer le PID ici, peut-être vous casser la tête à faire un kill du PID, vous lancez mousepad, voilà, voilà, vous faire un kill all mousepad et ça le ferme. Le seul inconvénient, c'est que si vous en avez deux, alors c'est un inconvénient ou un avantage, ça dépend dans quel cas on se situe. Kill all mousepad ferme les deux. Hein. Voilà, voilà. Donc, je vais fermer la distribution. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce test-là qui a duré 18 minutes ? Eh bien, on peut dire que globalement, on a pour toutes les distributions la dernière version de XFCE, la version 4.12. En même temps, c'est pas trop dur parce que ça fait un an et demi qu'elle est sortie, cette version. Il y a juste Debian qui se tape une version 4.10 un peu vieillotte. Sinon, le temps de chargement, on voit que c'est quand même très rapide, 2, 3 ou 4 secondes. Debian en champion de la rapidité, les moins rapides sont Xubuntu et Fedora. Côté mémoire, on bouffe quand même pas mal de mémoire, hein. On a entre 16 et 19%, donc en gros entre 300 et 400 mégas de RAM. Seul Debian tire son épingle du jeu avec 9% de RAM utilisé, soit moins de 200 mégas. Niveau CPU, donc processeur, ça consomme vraiment pas beaucoup. Et les thèmes utilisés par les distributions sont très très variés. Manjaro et Xubuntu ont leurs propres thèmes, respectivement Vertex Maya et Greybird. Fedora reste fidèle à Adwaita, le thème par défaut de Gnome. Calculate reste avec un thème semblable à Clearlux, celui le thème par défaut de Gnome 2. Et Debian, lui, a vraiment un XFCE de base non personnalisé avec toutes les valeurs par défaut. Et Mageia utilise un thème Oxygen GTK, donc le thème de KDE version GTK. Voilà. Et ben, j'espère que ce petit test vous aura plu. Et dites-moi en commentaire, là, sous la vidéo, ou éventuellement sur mon site web linuxtricks.fr, dites-moi quel est l'environnement de bureau que vous souhaiteriez que je teste après, parce que après KDE, Cinnamon, Mate et XFCE,
J'ai plus trop d'idées parce que NXDE il est vraiment en fin de vie au profit de Razor, enfin de LXQT. Donc LXQT, ça vous tente? Non, je ne sais pas. Gnome, pourquoi pas? Bon là, c'est peut-être un incontournable, je ne sais pas. En tout cas, Calculate Linux ne fera pas partie du test. Ou est-ce qu'on part vraiment sur autre chose, du style Enlightenment, mais il n'y a vraiment pas beaucoup de distributions qui le proposent. Tout au moins, il faut se taper une install en mode je ne sais pas trop quoi, net install et après se l'installer à la main. Ou on teste quoi? On arrête les tests, on fait quoi? Je vous laisse décider dans les commentaires et je m'adapterai. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!